Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Hey, y'a que le petit pote, c'est pas cool. Nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale, puisqu'on va faire le tournoi mondial en 0-0. Juste pour comme ça, pour vous donner des petits conseils, pour voir ma perception des choses. Je tiens à préciser que la reveal cam ce sera vendredi, tout simplement. Puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Venir Plus Bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à tous qui le feront. Et on part tout simplement dans cette première game. Ok, on tombe. Alors, on a quoi en face? On va prendre, je pense, les Zapis. Ok. Alors moi, mon plan de jeu, ce serait de prendre les recrues, là. Ok, ouais, regardez, recrues. Boule de feu. Et j'aimerais bien prendre les cochons royaux aussi. Plus la machine. Ouais, il met le boulis, c'est normal. Ok, là, machine... Cochon royaux. Ok. J'aimerais bien aussi prendre, why not, peut-être la cabane à gobelins. Ok, la petite cabane ici qui pourrait être pas dégueu. Et le chevalier d'or. Chevalier d'or qui peut être très très puissant là-dedans. Et j'aimerais un petit truc pour cycler. Oh, l'esprit de temps, parfait. L'esprit de temps, je pense, c'est ce que je vais prendre. Après, on a malheureusement pas de petite sœur. Hein. C'est un peu relou, hein. La question c'est est-ce que je prends un séisme ou pas? Ouais, il y a une T2 quand même. Hein. C'est un peu relou. Hein. Ah, l'esprit de soin, je pense qu'il peut carrier. Allez, on va partir sur un petit esprit de soin. Donc, on a un petit deck au top. Et lui, il a un deck un peu bizarre. Bon, ok. Alors, on va commencer par split les cochons royaux. Ok, juste pour voir comment il défend. Ok, petit T2. Parfait. Oh, les cochons, ça défonce hein, quand même. Waouh, ZB. Ok, on passe une petite cabane ici tranquillement. On va s'installer dans le plus grand des calmes. Ok, il a mis le pire boulis qui puisse exister sur le jeu. Ok, la bûche, pourquoi pas. On va mettre le chevalier d'or évidemment. Ok, pas de soucis. Ok, bon, pour l'instant ça va, on est plutôt pas mal. On va aller, je pense, faire une petite flying machine. Ok, il mènera dans les boules de feu, on va pas s'emmerder. Le saucisson pour ça. Ok, mais une capa un peu miteuse. On a un petit esprit ici qui va permettre de très très bien défendre. Hop là, voilà. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir chevalier d'or au pont. C'est une bête quelque chose et partir en cochon. Il vient bien avec le boulist. C'est cool. Ok, une T2. Why not? Ça, je prends. Ok, il met beaucoup d'élixir quand même. Il met énormément d'élixir pour pas grand chose. Ah, parfait. Ok, mais le fût aussi, il force. Hein. Vraiment, il force. Il met une bûche en plus. Eh ben putain. Là, par contre, on part en cochon royal. Il n'a plus d'élixir. Oh, il vient de gâter. Il a bûche le barbare. What the fuck? Normalement, il n'a plus d'élixir. Voilà, on va aller mettre énormément de dommages. Je vais peut-être prendre la tour. Ok, on va sûrement aller prendre cette tour. Ok, c'est pas trop mal. Ouais, voilà, il a forcé comme un fou furieux là. What the fuck, hein. Ok, parfait. On va partir en recrue fond de map. Il a arrêté de jouer. Ok. Bon bah il a arrêté de jouer, ça fait plaisir, un deep free win comme ça là, c'est sympathique. Hein. On va tout mettre du même côté. Hop. Hop, et voilà, donc la petite free win, hein. Vraiment le mec il a après là, il y avait des choix de cartes un peu miteux, il joue un peu miteusement aussi, je sais pas si ça se dit mais je m'en fous. Ok, bon bah voilà. C'est plaisir, on part dans cette deuxième game tout de suite. On va juste prendre la récompense avant, voilà, nickel. Allez, le petit coffre aussi qui fait plaisir. Allez, hop, c'est parti, deuxième game. Ok, contre Shisam, alors, qu'est-ce qu'on a? On a rien pour Izet, ça peut être intéressant de prendre le Zappy, là. Un petit Zappy foudre, j'aurais bien... Ah bah, il prend la Zappy. On va y prendre la foudre, du coup.
Et j'aurais dû prendre la roquette en vrai. Et qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Ah. Oh, le monk, pas mal ça. Le petit moine, peut-être intéressant. Ok, prends un roi squelette. J'ai prendre l'électro-dragon aussi. L'électro-dragon qui peut être loup, parce qu'on n'a rien pour le gérer. Sinon, j'ai pris la foudre. Ok, donc j'ai pris la foudre, donc ça peut être pas mal. Et là, ce que j'aimerais bien prendre, peut-être avec ça, c'est une charrette. Petite charrette peut-être intéressante. Et alors, comme tank, peut-être un bridge-pam. Ok, prends l'électro-géant, ça je m'en doutais en vrai. Donc, on va prendre un bâtiment. On va prendre la petite Tesla là. Hop. Et ensuite, on va prendre le mini PK. Ah, j'aurais peut-être dû prendre les barbares. Ah, je sais pas. Et moi, je pense que je vais prendre un mineur grattage. Hein, ou peut-être un bélier. Ouais, un bélier, je pense que ça peut être pas mal en vrai. Attends, montre un peu ce qu'il prend. Ouais, je sais pas. Hein. J'ai besoin d'un petit sort aussi. Ah, je vais prendre le zap en vrai. J'ai pas de win condition encore, donc on va en prendre une. Je sais pas si je prends le mineur ou pas. Un mineur food. Ouais, vas-y, on va partir sur ça, je pense. Hein. Ça me paraît le plus opti. Ok. Pour l'instant, en vrai, ça annonce. Je sais pas, il est bizarre mon deck. Il est très bizarre. On a le moine, on a la foudre, le zap. Ah oui, donc ils sont bas les couilles. Très très bien. On va mettre un mini PK pour défendre. Ok, bon. Ok, avec une petite Tesla ici, tranquillement. Il s'en bat les reins, ça me fume. Hein. Ok, donc on va commencer à gratter, je pense, avec le Mimi. Ok, petit Mimi ici, tranquillement. Ah ouais, pas de demi-mesure ici. Ok, mettre le petit moine ici, tranquillement. Ah oui, c'est un bailleur. Ah ouais, ils sont... On va de la petite capa ici, je pense, je peux m'emmerder plus. Ok. Il s'en bat les couilles. Waouh, mon drague, mon drague, mon drague, gros, mon drague. Ok, ça va. Oh, mon drague, heureusement qu'il a pu mettre le dernier coup, parce que là, sinon, je te donne un 60. Si je joue comme ça va être un peu chiant, en vrai. Hein. C'est un peu relou, mais normalement, ça devrait aller. Ok, le petit zappy ici. On va préparer la défense avec une petite Tesla. Il a un électro-géant, faut se rappeler qu'il a un Giant. Ok. Dès qu'il arrive au pont, j'ai évidemment les zaps. Ok, bon là il est encore très con. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. J'en ai aucune idée ce qu'il fait. J'ai parti en mini PK au pont. Ok, un mini PK, un coup. Deux coups. Ok, c'est pas trop mal. Je vais aller défendre avec un mineur. Ok, voilà, bon, je vais qu'un peu useless ici. Charrette au pont, je pense. Ça me paraît pas trop mal, la petite charrettasse. Ok, électro géant. Je pense que le moine défend en vrai. Hein. Je me rends pas compte si ça défend le moine. En tout cas, ça. Ok. Ouais, c'est fort le moine, quand même. Ouais, c'est pété hein, cette carte. Petit mineur en fonction de ce qu'il joue. Ouais, je vais aller clairement foutre. Hein. J'ai pas m'emmerder le. Hein? Voilà. Ok, électro géant miteux. Let's go. Voilà, parti sur une petite Tesla bien haute. Ok, la pire capa ever. Elle va évidemment mettre le mini PK pour aller aider à défendre. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs le mini PK. Parce que l'électro-géant, ça fait vraiment le taf. On va partir avec un moine au pont. Comme ça, s'il pose un zappy, c'est relou pour lui. Ok, parfait. On fait comme ça alors, en bref. Hein. Ok, on va partir en mini ici. On va partir en petite charrettasse, tranquillos. Ouais, il met beaucoup d'élixir pour défendre. Électro-dragon ici. Pour aller gérer les squelettes, plus toute la caisse de couscoussière qu'il y avait. On va mettre le moine dedans. Petit zap ici. Hop. Et voilà, on n'a plus rien. On va remettre un petit mimi ici. Finalement, son zappy qui n'a pas joué. Hein. Bon, en même temps, il n'a pas une grande occasion de le jouer. 300. Ok. Ok, il va retenter son push à Rennes 2.
Que petite charrette ici. Hop. Et là, je pense qu'on va aller win cette game. Zap, ça finit ou pas? Non, ça finit pas. Peut-être un pré-shot à la limite. Ok, parfait. Bon, cette game en fait, elle était simple, elle était juste longue parce que j'avais qu'un mineur pour gratter et bah, le mineur, c'est pas la meilleure win condition pour, enfin, pour mettre beaucoup de dommages très vite. Allez, on prend dans cette troisième game. Contre Cast. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ok, ouais. Comme une condition, c'est un peu miteux. On va prendre le cochon, je pense. Ouais. Cochon, je pense que c'est pas trop mal. J'avoue, je sais pas trop quoi choisir. Ok, il faut. Il joue pas mon adversaire, gros. Ah, si, ok. Ok, ok. Alors. Charrette, je pense. On va faire un deck un peu bizarre. Je pense que la reine va être relou parce qu'il n'y a pas de gros sort. Allez, le moine compte bien la reine. Ça, c'est un peu chiant. S'il prend le moine, je suis dans la sauce. Enfin, en vrai, non. Ouais, bon, il va faire son bon. C'est logique, mais. Du coup, je vais prendre des zappies aussi. Ah, les zappies, je pense que c'est la meilleure option. Ah. On va prendre la boule de feu, du coup. Hein. Et je pense que je vais prendre la Valkyrie. La Valkyrie peut être pas mal. Peut-être prendre un séisme. Hein. Le séisme, je pense qu'il est une bonne option. On te montre un peu ce qu'on a. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais, séisme, c'est une sûre, c'est une bonne option. Donc on va le prendre. S'il se décide l'adversaire. Ok, séisme, ça c'est sûr. Et maintenant, il faut les petites troupes pour cycler. Donc là, on a notre bâtiment. Enfin, bâtiment, je considère qu'on achète comme bâtiment. Ok, donc là, je vais prendre sûrement... ouais. Des gardes. Et là, il faudra un dernier truc. Je sais pas. Alors là, je vous avoue que j'ai pas d'idée, par contre. Je vais peut-être prendre le colis, en vrai. Non, 3 sorts, ça ferait trop, je pense. Non, je sais pas. Le gobelin lance, c'est peut-être relou, le gobelin lance. Il a qu'une bûche pour gérer. Ok, le jeu, je choisis un bleu dragon. Ouais. Et je vais prendre les. Ouais, je prends les gobelins lance. Et s'il les prend, je prendrai l'esprit, mais ce sera un peu chiant. Peut-être le fantôme, ouais. Ouais, je sais pas. Ah, les gobelins lance, c'est bien. Ah, gobelin géant. Ah. En vrai, c'est pas grave, vas-y, c'est bon. On part sur les gobelins lance. Ok, on a un deck, en vrai, pour moi, il est ok. Il est pas trop dégueu, le deck. Ok. Alors, on va commencer avec une petite reine au pont. Une reine fond de map, je veux dire. Au pont, ça y est, faut se calmer. Ok, petit moine. Je vais mettre ça pour protéger ma reine. Parce que j'ai pas activé la capa. Tant qu'il y a le moine, ok, c'est pas trop mal. Ok, j'active ça. Là, il est un peu teubé. Là, le cochon peut faire vraiment mal. Hein. Enfin, avec tout ce qu'il y a derrière. Il y a même un monde où on prend la tourmente dans le genre. Oh, c'est pas mal ça. C'est vraiment bien. C'est beau ce qui se passe. C'est très beau. Et là, on va aller évidemment forcer derrière. Parce que là, il a plus d'élixir. Il a plus de. Son seul sort, c'est la bûche. Si on se souvient que son seul sort, c'est la bûche. Oh, le pêche à un 2 que je viens de faire, mais qui met tellement de dommages. Aberrant. Ok, aberrant, aberrant. Aberrant. J'ai défoncé sa tour. Ok, on va aller assumer le premier esprit. Parce que c'est pas trop dramatique. Et je pense qu'on va aller mettre le cochon ici. On va juste terminer la tour au moins. Ok, bah en vrai, j'ai pas les boules de feu. J'ai juste une Valkyrie, je pense, ou des gardes. Ça dépend de ce qu'il met, s'il m'a gobelin géant, je mets sûrement une Valkyrie, ou je sais pas. Ouais, la ou peut-être boule de feu garde, en vrai, ça peut être une bonne idée aussi. On prend quand même beaucoup de dommages. Je vais essayer de terminer la tour, comme ça je suis sûr de la prendre. Hop, ok, parfait, on prend la tour. En plus, les gardes vont s'occuper de ce mini PK. Et ça, c'est pas trop mal. Ok.
On est plutôt bien normalement. On va aller mettre une reine ici. Avec un petit cochon et des gobelins. Wesh, mais la capa gros. Ouais, la capa voulait pas se mettre. Ok, on va mettre la Valkyrie. La capa, elle avait tellement pas envie. Je vais aller séisme, je pense que ça peut être pas mal. Petite charrette, gobelin à lance dans le fond du terrain, par le fond de la tour. Ok, c'est pas trop mal la défense là. Hop, la boule de feu un peu miteuse là, de ma part. On va aller prendre cette win sans aucune difficulté. Ok, parfait qu'on caste. Et je pense qu'on va se faire encore une dernière game, hein. Une petite dernière, ce serait... Ça serait pas mal. Petite dernière game de la vidéo contre danger. Ok, donc on a quoi? D2, je pense, c'est ce qu'on va prendre en tout premier, parce qu'on a rien pour reset. Je pense que je vais prendre D2, maître mineur, parce qu'on a rien pour reset. J'avais fini la dernière fois. Ouais. On a rien pour reset, donc on va aller prendre ces deux-là. Ok, donc là je pense qu'on va aller prendre les gobelins nous. Déjà, pour aller gérer le prince, on va prendre la bûche, il la prend pas. Bûche gobelin déjà, c'est sûr que je prends. Ok, donc maintenant. On a quoi comme une condition qui pourrait bien aller. Je pense que le GR, ça s'y serait bien, le ballon aussi. Bon, le ballon on va éviter parce qu'il a beaucoup de choses quand même, donc on va prendre le GR je pense. Mais je vais attendre un petit peu avant pour le GR. Je vais déjà prendre, je pense, le canon. Et je pense que je vais prendre le GR maintenant, en vrai. Hein. Ouais, le GR, ou peut-être le géant. Géant ou GR, ah. Ouais, non, GR, je pense que c'est quand même mieux. Ok, séisme. Ah ouais, ça c'est chiant. Mon canon va pas servir à grand-chose. Jamais faudrait que je prenne un gros sort, peut-être, pour... Ouais. En fait, il faudrait. J'aimerais bien avoir une foudre là. Qu'est-ce qu'il faut? Je crois que je vais prendre le chasseur en vrai. Hein. Chasseur qui a une très bonne carte défensive. Et là, il faudra un mini tank ou un gros sort. Je sais pas trop. Hmm. 3.6. En vrai, je vais prendre le squelette géant, non? Ouais, squelette géant, je pense que c'est une bonne option. Squelette géant, ça peut être pas mal. Le dé coûte pas trop cher. 3.9, c'est largement ok. Ok, prends le ballon. En vrai, c'est ce que je... Ah oui, bûcheron ballon. Oh putain. J'ai bien fait de prendre le chasseur. Ok, j'ai D2 chasseur. Il a un prisette. Ok. Ok, 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 ok. Alors, on va partir sur un petit squelette géant. En fait, j'ai peur... Ah non, attends, si je fais ça, ouais. Ok, sorcier. Sorcier va être vraiment relou, par contre. Le sorcier, on n'a rien pour le gérer. Ça va être vraiment casse-couille. Ouais, je vais laisser gratter là pour l'instant, ça me sert pas. Je vais mettre un canon pour cycler. On aura de la bûche dans tous les cas pour finir le sorcier. Donc il a évidemment le 6, malheureusement pour moi. Hop. À partir en géant royal for map, je pense. Ok, mais sur prince, on aura les gobelins pour tanker. Okay, c'est pas trop mal, normalement, si je fais ça. Peut-être mettre un squelette géant devant, en fait, ce serait pas mal, je pense. C'est vrai que le squelette géant, c'est ce mec qui prenne. Putain, il prend pas, le fils de pute. Ok, mais énormément d'élixir. En vrai, je vais mettre un être mineur. Au moins, une autre, la bombe, en vrai, ça peut être pas mal, là. La double bombe, voilà, nickel. C'est pas trop mal. Ok, juste rajouter un bûcheron, c'est pas mal. Je vais mettre un canon... Faudrait pas... En fait, faudrait que... Allez. Ça se passe pas du tout comme ça, voilà. Genre ça, c'est ce que je voulais pas, ce qui se passe. Ouais, la game va être relou. Son prince, en fait, c'est... Il est vraiment chiant, son 6. En fait, il déglingue mon canon. J'aurais dû prendre la T2. J'ai hésité à prendre la T2 et le canon, mais j'aurais dû prendre la T2. Mais bon, c'est pas trop grave. On va mettre la bûche.
Bah ça c'est chiant, tu vois par exemple. Ok, mais le squelette géant. Ok, mais le sorcier, c'est relou. Ok, en vrai, je vais mettre ça. Le GR, là, il a rien, normalement. Enfin, ouais, les gargouilles sont vraiment chiantes aussi. Hein. Il a beaucoup de cartes très chiantes, quand même. Hein. Ah ouais, on a eu énormément de dommages, ça, c'est vraiment bien. On va aller mettre la bûche. Oh, le maître éminent recovery quand même quand t'as rien, quand t'as rien vraiment c'est fort hein. Ok, on met le squelette géant. Ok, on met le prince, on va mettre le GR alors. Il se fait avoir hein, à chaque fois, il va mettre tous les gargouilles, hein, il va prendre quand même beaucoup de dommages. Allez, mettre deux coups encore une fois, ça c'est pas trop mal. Il a pas encore sorti son ballon donc faut faire gaffe quand même. Je fais ça pour l'obliger à séisme en fait hein, c'est le cas où. Ok, on a évidemment... Ok, on va mettre le GR. Ok, mais malheureusement, le prince du mauvais côté, le bug. Ok, je fais ça juste pour que... Je sais pas. Bon, va vite le sketch là. Ok, nice. Ouh, cette game aurait été intense quand même. Hein. Cette game, j'avoue qu'il a pas sorti son ballon. Et heureusement, parce que son ballon, ça peut aller très vite. Avec un rage, un prince, ça peut aller très très vite, ce genre de choses. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'était vrai coup, ciao ciao!